Ça. Ici. Oh, wow, wow, bordel! Qu'est-ce qu'on s'est pris, les mecs, là? Putain, les gars! J'ai pas compris, là. Ah, ils ont tous blessé, merde! Manque de précision, tout ça. Casse-toi, casse-toi! Tombe, tombe, enfoiré! Recharge. Putain, les mecs, ça va ou quoi? Oh! Putain, y'a un. C'est le canon! Tombé quoi? Attendez, les mecs, je vais passer devant, je vais passer devant. Arrosé là. Allez, atteins le petit muret. Venez avec moi les mecs. Ouais ouais, je vais essayer ouais. Est-ce que vous là les gars, bien joué. Allez, allez, allez. Sors ta tête, sors ta tête, sors ta tête, sors ta tête. Putain. C'est quoi, j'ai pas une autre arme précise là. Là-bas, là-bas. Yes, c'est tombé. Recharge les mecs. Oh là, attention au canon là. Venez avec moi les mecs, venez avec moi. Faut pas passer sur la route là, sinon on est mort. Donne-moi ton fusil. C'est pour prendre l'arme. Il est où? Il est derrière. Je vais recharger avant d'aller au contact. Je suis pour la sécurité ici. Dans les chaussures. Ah, il est mort. En position. Venez là, venez là le mec, venez là, venez là. Bougez maintenant. Bien reçu. Il y en a trois planqués là. Où ça? Ok. Ils sont où là? Viens ici, Jasper. Faut qu'on neutralise le canon là. Arrose-moi ça là. Allume-le avec ta roquette. On arrose. Butez-les. Wow. Merci Jasper. C'est beau boulot tout ça. Comment allez-vous retraverser la rivière? Qu'est-ce qu'il dit? C'est rien, j'ai encore les oreilles qui bourdonnent. Qu'est-ce que vous dites, colonel? Comment allez-vous faire pour retraverser la rivière? Bon, cette fois, j'ai vraiment entendu rizière. Il est peut-être sous. On va traverser la rizière à la nage, colonel! Entendu! L'humour là, dans la team. Oh les guettes. Kevin les guettes. Est-ce que ça va? Eh vieux, ça va? T'as besoin d'un médecin? Non. Je suis pas blessé. Ça va. Ben... Qu'est-ce qui t'arrive alors? Vous êtes qui? Éclaireur dans la 502e. Bâtard anglais d'un père fortuné et d'une mère pauvre. Choisis ce que tu veux. Comment tu t'appelles? Kevin. Dis-moi, Kevin,
Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu crois qu'on a tous quelque chose à faire sur cette terre avant de mourir? Leggett, ne répétez jamais à personne ce que vous venez de me dire. Pourquoi? Parce qu'il vous tuerait. Est-ce que je peux vous confier un secret? Eh, j'ai envie de savoir, moi. La première mauvaise nouvelle, environ de Best Holland le 18 septembre 1944. Tout à l'heure, on était dans le passé avec les guettes. Vous voulez un café, Baker? Eh, Mac doit vous parler. C'est quoi et cette toi, mauvaise Frankie, nouvelle? Tu crois au destin? Oh, encore ces conneries. Je vais chercher un peu de café. Je suis sérieux? Franchement, j'en sais rien, Bose. Certains se font tuer, d'autres non. Pose-toi sincèrement la question. Est-ce que tu pourrais te trimballer avec une arme de 10 kilos toute la journée? Dans quel monde tu vis? C'est joli par là? Je me trimballe un bazooka! Tout va bien? Qui est-ce? Matt, c'est le lieutenant-colonel Cole. Quoi? Comment? Aïe. Aïe aïe aïe. Dernier Fritz, partout! Moi et Matt, on a besoin de succès immédiatement, bordel! On subit des tirs de mitrailleuses, de mortiers, Je me contrefous de ce qu'il vous raconte. Utilisez tout ce qu'il vous reste de salive pour gueuler dans cette putain de radio. Et gardez la tête baissée. Ici, qui compte tout. Vous m'entendez? Doran, baissez la tête, bordel. Oh. Merde. Quand nos propres avions nous ont tiré dessus, il est parti en courant avec quelques hommes pour installer des panneaux dans les champs. Il était derrière les autres et... En fait, il redressait les panneaux. Pourquoi est-ce qu'il... J'en sais rien, Matt. Il l'a fait plusieurs fois. Et puis, il y a eu une détonation. On n'a pas retrouvé le sniper. Seulement le compte qu'il avait laissé sur leur bord de la fenêtre. Il était là et d'un coup, plus personne. Ça n'a vraiment aucun sens. Comme la guerre. Ça n'arrive jamais. Il faut que j'aille chercher une règle? Je parie sur Roselli. Red. Il faut que je te parle une seconde. C'est une terrible perte, sergent. Avez-vous attrapé ce salopard? Mon colonel? Oui, sergent? La division vous a dit où se rendait le groupe de reconnaissance? À mon avis, vous voulez leur dire vous-même, sergent. Oui, mon colonel. J'aimerais beaucoup. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a bien pu faire un truc aussi imprudent? Il a sauvé beaucoup de vies, Red. Et combien vont mourir parce qu'il n'est plus là pour les diriger? Il ne s'agit pas que d'une bataille, Matt. J'aurais préféré qu'il soit encore là sans personne à diriger. Que vaut la vie d'un seul officier pour toi? 20 hommes? 40? Tu sais très bien que j'estime... Tout va bien, ici? On discute. De quoi avez-vous besoin? La division vous ordonne de vous rendre à Eindhoven avec vos hommes pour y retrouver Sink et la 506e. Vous rejoindrez le 30e corps. Bonne chance. C'est tout? Si vous voulez un conseil, et c'est une façon de parler, laissez la guerre là-dehors. Bah ouais. Red et Matt, ils vont pas s'embrouiller quand même. Ils sont ensemble depuis le début, quoi. C'est con quand même. Oh, le sniper est de retour. Gravé dans le marbre. Dans les environs d'Eindhoven, en Hollande, le 18 septembre 44. Je me fous de toute la poussière que j'ai avalée ces deux derniers jours. Ces jeeps sont 100 fois mieux que de marcher tout le temps. Quand est-ce que je conduis? Quand l'armée nous fournira des tracteurs. Je veux que vous contourniez le 88 par l'arrière avec vos jeeps. Il est juste au bord de la route. Coupez à travers champs et installez un poste d'opération dans l'église. On va les prendre par surprise. Ok, chef. C'est parti. Oh putain, ça canarde direct d'entrée. Donc on a quoi là-bas? DMG. Attendez les mecs. Faut les passer par là.
sniper doit être dans le clocher, non? Parce que c'est cible de neutralité. Oh putain! Ça c'est fait. Ah ça c'est fait. Putain, elle a pris la MG ce con. Merde, merde, merde. Cache-toi, Tipex. Ouh, headshot. Tiens, mange ta balle toi aussi. Eh, hey, sors ta tête. Bien joué le Bosch. On a eu tout le monde ici. Progresser un peu. J'entends du bruit là. Il y a du monde par là. Ok. Enfin, je vais essayer de gagner un petit sac de sable juste ici. La grenade, la grenade. Je balance une grenade. Hey, Tipex. Ah, c'est fait. Elle est partie trop loin la grenade. Merde. Doucement les gars, vous êtes trop rapprochés là. Vous avez dit de venir ici. Ok, bon on y va. Allez. Oh putain. Mais ils sortent d'où eux? Là, vous êtes sérieux? Ils sont sortis de l'église? Ils sont sortis d'où? C'était tendu quand même. J'ai pas de visu. Coulé au mur. Toi t'es mort. Il a d'autres ou pas? Affirme, affirme, affirme. Recharge. On a un souci. Quoi? Putain, vite, 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 ici, ici, ici. C'est quoi le souci, mec? Y'en a un derrière ou pas? Ah. C'est bon les mecs? Ok, on y va. Ah, y'a un avion à feu qui vient de passer là. Pour rentrer dans l'église. Allez. Ah, ça. Allez, faut aller tuer le sniper. Il doit être à l'étage. Là, lui. Eh les mecs, vous êtes sérieux? Vous faites quoi dans l'église là? Allez là-bas, pas d'aide. Ne vous arrêtez pas. N'empêche. Je vais reprendre mon fusil. Gardez-les, allez ! Ça en fait un de moins ! Bordel ! Recharge. Très bien que vous arrosez un peu Paddock là. Ouh ! Ah désolé mon pote. Ah mon pote, c'est la guerre gars, j'ai pas le choix. T'as pas eu le temps de souffrir en même temps. Faut que je lui laisse prendre le fusil, la mitrailleuse. Allez on recharge. Sympa les vidéos. Putain mais sors ta tête. Il est mort lui ou pas? Une idée. Pas progresser tant que les a pas traité. Mais ils arrivent tout le temps en fait les renforts là.
Attends, je recharge et je vais sortir. On prend la petite Thompson. Elle va pouvoir jeter sur le côté. Ils peuvent se planquer partout quoi dans chaque rang. J'ai chaud lui avec l'île. Je suis sûr que ça serait une bonne idée que je me rapproche comme ça. Et ça c'est fait. Merde, je crois que je l'avais eu. Il n'est pas mort. Ok. C'est bon les mecs, je recharge. Il est où le sniper? Il est à l'étage? Je sais que vous allez pas me répondre, mais c'est juste pour savoir. J'ai besoin de vous ici et maintenant. Allez, on se rassemble les mecs. Oh putain! Allez, ils sont un peu à voir comme des bleus, les Allemands, là, c'est... Je regarde que c'est... Ouais, c'est super top hein, la façon dont donc, ils attaquent quoi. Ah, c'est fini pour lui. Un peu ouais. On traverse comment là? Ok. En fait il y en a partout. Je suis mal placé. Ok. Une passerelle ici. Ça serait bête de tomber. Allez, on y va. Non, il était pas mort lui, il me dit pas cesser le feu. C'est moi qui donne les ordres ici. Ok. On va tirer dessus là. C'est fait. Pas de chemin par là, non. Ok. Allez, on y va. Restez là. Bordel, bordel. Putain, t'as couvert. C'est fait. Elle sort ta tête. Bien vu mec. Et on continue. Ah le sniper si c'est pas qu'on arrive. C'est quand même bizarre hein, faut le dire. C'est ici que ça a tiré ou pas? Ouais. Bon boulot. C'était les derniers. Ok. Merci. Je vais être là-dedans. Ouf. Je vais renvoyer tes copains te rejoindre. Très très bientôt. Ça va? T'es tendu. Ouais. Merci mec. C'est juste un coup. Ça fait mal. C'était lui. Ce salopard a tué Cole. Retournons avec les autres. Je cherche des Américains. Oh, c'est vous. Votre visage était en meilleur état la dernière fois. Il y a deux gros canons installés pas loin d'ici. J'ai aussi repéré un dépôt de munitions et une station d'essence. J'ai dessiné une carte pour ceux que je trouverai.
Dispersez-vous et vérifiez vos armes.